Chers collègues, mesdames les ministres, maintenant que nous avons fait les échanges d'amabilité générale sur ce texte, rentrons un peu plus dans le détail. Alors, bien sûr, je ne vais pas pouvoir détailler tous les articles, parce qu'il faudrait bien 2 ou 3 heures sans trop de difficultés, mais sur quelques éléments qui me tiennent particulièrement à cœur et tiennent particulièrement à cœur à mon groupe. Je vais commencer par les histoires de sécurité et de justice qui vont arriver les premiers dans le texte. C'est très intéressant de voir la discussion en commission, puisque, avec mon groupe, nous sommes partisans de maintenir les commissions qui, a priori, à vos yeux, ne servent à rien. Je parle notamment du suivi de la détention provisoire. Alors, on nous a rétorqué, et Madame la ministre ici présente, nous a dit bah, « Attendez, c'est pas très important de suivre ça, parce que le ministère le fait déjà, et il y a déjà la contrôleur général des lieux de privation de liberté, le contrôle général, qui s'en occupe ». Eh bien, d'une part, le ministère le fait assez peu, puisque ça fait 3 ans que je demande un suivi de la détention provisoire, et ce n'est pas le cas. Je ne suis incapable de vous donner ces éléments. Et deuxièmement, ce n'est pas la mission du contrôle général des lieux de privation de liberté. Prenons-en un autre, la commission qui surveille la désistance et la prévention de la récidive, observatoire, qui a d'ailleurs tenu son assemblée générale, ses travaux, ici, à l'Assemblée nationale, pas plus tard qu'il y a moins d'un an, puisque j'y étais moi-même, j'y ai passé la journée. Observatoire très intéressant, puisqu'il ne coûte pas 1 euro à la collectivité. Ce sont des professionnels du ministère de la Justice, des chercheurs et des chercheuses qui se retrouvent bénévolement, mais c'est ce qui est dingue quand même, on voit l'implication ici des agents publics et des gens qui sont habités par le sens du service public et l'intérêt général. Pas 1 euro, et vous supprimez ça en disant « Attendez, on supprime un machin qui ne sert à rien ». Eh bien, figurez-vous qu'il y a assez peu de travaux en France sur la désistance et la prévention de la récidive, et je tiens à saluer d'ailleurs le rapport du CESE, dont il n'a été rien fait de la part de l'exécutif, sur la dite prévention de la récidive. Alors, on pourrait continuer sur la sécurité. Ah, c'est votre bataille du moment, ça. Les chiffres, les chiffres, les chiffres. Il nous faut des chiffres, les chiffres de la sécurité. C'est très important. On va les publier tous les mois. Comment vous allez faire en supprimant l'Institut national des hautes études en sécurité et en justice et l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale, l'ONDRP? Ah, vous allez tout internaliser au sein du ministère de l'Intérieur. Ben, c'est sûr, ce sera mieux pour avoir vos chiffres. Ouais, ce sera les vôtres, ça, c'est sûr. Ils seront plus d'intérêt général avec la scientificité qui peut les entourer. On voit bien comment ici ces simplifications cachent en fait en réalité une volonté de ne pas donner à voir ce qui vous déplairait et de simplifier ce qui vous semble comme étant un peu trop embêtant, par exemple les fonctionnaires de l'Office national des forêts. Ah, ceux-là, oui, ils vous résistent, ils vous tiennent tête, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la gestion mercantile que vous faites du patrimoine que sont les forêts domaniales, y compris de la gestion complètement calamiteuse que vous faites de la forêt privée, car oui, il y a un enjeu d'intérêt général à s'occuper de la forêt privée, c'est d'ailleurs dans le code forestier également. Alors là, en bon dogmatique, en bon libéraux, qui ne réfléchissez pas, vous avez dit, de toute façon, les contrats, c'est mieux que tout le reste, c'est ce que vous avez mis dans votre loi fonction publique, vous déroulez matin, midi et soir, sans vous demander ce qui a bien pu faire la force de notre pays pendant la pandémie auquel nous avons fait face, si ce n'est le sens de l'intérêt général et le sens du service public animé par ces milliers de femmes et milliers d'hommes. Alors bon, au passage, vous vous dites que quitte à simplifier, autant y aller franco, et vous ajoutez en cours de route, alors là c'est Transparency et Anticor qui nous invitent à voter contre, vous avez peut-être lu leurs articles très bons, sur les allègements que vous faites au code des marchés publics et sur les difficultés nouvelles que vous créez auprès de la CADA pour avoir accès aux documents administratifs. Non, ça va, c'est déjà suffisamment complexe comme ça. Et les règles ne sont pas si dures que ça dans les marchés publics. D'ailleurs, il y a une réforme du code des marchés publics qui n'est pas si vieille que ça. Donc ce n'est pas pour en rajouter une énième clause de je ne sais pas trop quoi d'intérêt général non définie qui permet de ne pas respecter les règles des marchés publics. Bon, tout ça semble un peu étrange comme mode de simplification, ou alors on voit trop bien à qui cela pourrait profiter, toujours au même. Et la visio. La visio. Alors vous en profitez, c'est sûr, dans ce texte, beaucoup d'éléments que j'ai dit sont finalement des choses qui étaient déjà dans des ordonnances, que nous n'avons pas ratifiées, et que finalement nous allons ratifier par petits bouts, par un autre moyen dans le cadre de ce texte. Et la visio, pour les personnes détenues, ou en vue d'être détenues, ça, c'est une nouveauté dans ce texte. Je l'avais introduit en commission, comme ça, l'air de rien. Alors ça, pour simplifier, quand il s'agit des libertés fondamentales et des droits fondamentaux, qui est d'avoir accès physiquement au juge qui va vous mettre demain sous écrou, ah là, c'est sûr que ça va vite pour simplifier. Il n'y a pas de difficulté. Mais je m'interroge sur votre conception des libertés fondamentales et plus globalement sur votre conception d'État. Oui, je le répète,
vous n'aimez pas l'État.